Que se passerait-il si la France, et plus généralement le monde, subissait une attaque nucléaire? Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Objet de tous les fantasmes depuis que des grandes puissances se sont équipées, chacun y va de sa petite théorie et de ses prédictions. La perspective d'une journée ordinaire interrompue par des sirènes de raids aériens, des klaxons et la chaleur torride d'une explosion thermonucléaire est une possibilité réelle, quoique assez lointaine. D'études en simulation informatique, que se passerait-il vraiment si une telle chose arrivait? Revivrons-nous les pires heures de notre humanité? Où est-ce que la situation serait encore pire? Et comment réagirait la population? Générique. Objet de tous les débats, de toutes les interrogations et source de tant d'angoisse, l'ombre du chaos d'une bombe nucléaire plane sur le monde depuis maintenant près de 70 ans, 77 pour être précis. Avant de tout faire péter tel des bourrins à la Michael Bay, essayons tout d'abord de voir vraiment ce qu'est cette fameuse bombe atomique. D'où vient-elle? Depuis quand? Pourquoi a-t-elle été créée? Et surtout, quel est l'intérêt finalement de l'avoir conservée et même améliorée depuis plus de 7 décennies? Sous le nom de code Projet Manhattan, un programme secret de recherche et de construction d'une arme nucléaire est lancé en 1942 aux États-Unis. Le but, en finir avec la guerre contre le Japon en lui balançant sur la mouille non pas une mais deux bombes atomiques. Les deux bombes utilisées seront respectivement les deuxième et troisième à avoir été construites et elles demeurent les seules déployées depuis cette date. Hormis bien sûr, celle destinée à des essais militaires. Je passe assez vite sur ce sujet, mais si ça vous intéresse, vous trouverez sur la chaîne deux chroniques où j'en parle. Vous trouverez les liens dans la description. Ces deux bombardements successifs ont mis un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, c'était le 8 mai 1945 pour la capitulation de l'Allemagne et le 2 septembre pour la capitulation de l'Empire du Japon. Cette guerre a été particulièrement meurtrière, mais elle a eu également un effet bénéfique sur l'évolution des technologies, notamment en matière d'armement. Et oui, quoi de mieux qu'une guerre pour perfectionner de manière efficace et en un temps record les moyens à notre disposition pour s'anéantir nous-mêmes. La bombe nucléaire, objet encore inconnu à l'époque, a durablement marqué les esprits lorsque le monde a pu constater les ravages qu'elle avait fait au Japon et pourtant, avant même leur conception, certains scientifiques alertaient déjà sur les dangers potentiels d'une telle invention, en particulier Albert Einstein, qui avait semble-t-il senti que cette affaire allait sévèrement poquer du derche. Et pour cause, les 6 août et 9 août 1945, un bombardement atomique a été effectué sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le nombre de victimes est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles, allant de 103 000 à 220 000 morts, sans compter les cas de cancer. Ici encore, je ne vais pas revenir sur ces tragiques événements, d'autant que ce n'est pas le sujet. L'impact de ces bombardements, au-delà des horreurs qu'ont pu vivre les victimes et leurs proches, fit craindre par la suite un usage démesuré de l'arme atomique dans une guerre nucléaire, notamment de la part du gouvernement américain qui, pleinement satisfait de ses réussites et possédant de nouvelles armes désormais opérationnelles, aimerait bien les tester en grandeur nature et montrer aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité qu'elle donne à l'Amérique. Cet effet fut la base de ce qu'il conviendra d'appeler la dissuasion nucléaire qui a largement pesé dans les choix stratégiques lors de la guerre froide. Cette guerre, je ne vais pas non plus m'étendre dessus, mais juste pour rappel, c'était le nom donné à la période de fortes tensions géopolitiques durant la seconde moitié du XXe siècle entre les États-Unis et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, abrégée en URSS. La guerre froide s'installe progressivement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et elle durera jusqu'à la chute du communisme en Europe en 1989, rapidement suivie de la dislocation de l'URSS en décembre 91. On l'appelle guerre froide pour l'opposer à une guerre traditionnelle dite chaude. Pourquoi froide? Parce que les deux pays se combattaient exclusivement en Antarctique en se balançant des pingouins dessus. Comment ça y a pas de pingouins là-bas? Bon, admettons. Plus sérieusement, elle est qualifiée de froide car ni les États-Unis ni l'URSS ne se sont combattus directement, mais cela ne les a pas empêchés pour autant de foutre le bordel dans tous les autres pays sauf le leur. Sur les autres continents, notamment en Asie, des conflits font de nombreuses victimes civiles et militaires, notamment durant la guerre de Corée, d'Indochine, du Vietnam, d'Afghanistan et beaucoup d'autres, sans compter les crises et conflits mineurs entre le monde occidental et le monde communiste. Officiellement, ces deux grandes puissances et leurs alliés sont en paix, mais officieusement, c'est loin d'être la même limonade. Pourquoi
Pourquoi est-ce aussi important? Parce que durant la guerre froide, il n'y a pas que des pays qui sont en guerre. Il y a surtout des conflits permanents sur les différences idéologiques et politiques entre les démocraties occidentales et les régimes communistes. Ce qui en a découlé a eu de fortes répercussions dans tous les domaines, économiques, culturels, scientifiques ou encore sportifs et médiatiques. Il fallait être le meilleur dans tous les domaines, non pas pour faire avancer la recherche ou pour le bien-être de son peuple, mais uniquement pour pouvoir se la raconter devant l'ennemi. Si la conquête spatiale a connu ses plus belles heures à cette époque, ce n'est pas par hasard, loin de là. Si un Américain a pu marcher sur la Lune, c'était uniquement pour montrer au monde que les États-Unis pouvaient le faire. Malgré le fait que les blocs ne se combattaient pas directement, ils n'avaient pas pour autant perdu de vue qu'une guerre était possible, voire même fortement probable, et cette période était aussi caractérisée par la course aux armements nucléaires à laquelle se livraient les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, qui y ont consacré des ressources colossales. Du côté de l'Europe et plus particulièrement de la France, on ne déroge pas à la règle. Allié des États-Unis, notre pays craint également une attaque des Russes. Quatrième pays à avoir développé des armes nucléaires après les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, c'est le 18 octobre 1945, presque 3 mois seulement après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, que le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique dans le but d'effectuer des recherches scientifiques. Pendant presque 10 ans, faute de moyens et de volonté politique, la décision de faire la bombe est repoussée, mais en pleine guerre froide, le lancement véritable du programme nucléaire français se fera en 1954 sous l'impulsion de Pierre Mendès France et Guy Mollet. De retour au pouvoir en 1958, de Gaulle confirme l'ordre d'expérimenter l'arme nucléaire et lance la fabrication en série du premier moyen de transport capable de transporter une charge nucléaire, le bombardier Mirage 4. La France réalise son premier essai d'une bombe A sous le nom de code Gerboise Bleue le 13 février 1960, puis son premier essai d'une bombe H sous le nom de code Canopus le 24 août 1968. Elle mènera 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996, année de son dernier essai en Polynésie française. Au début des années 80, la capacité effective de destruction minimale était de l'ordre de 35% de la population et de 45% de la capacité de production industrielle de l'URSS. Lorsqu'on apprend tout ça, une question se pose. Pourquoi vouloir à tout prix développer de tels engins capables d'anéantir un pays en moins de temps qu'il en faut à une star de télé-réalité pour sortir un truc stupide ou encore exhiber fièrement ses prothèses mammaires? Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures, et à partir de là, c'est après qu'il y a eu le... nous, en fait, tout simplement. Là encore, il s'agit d'un héritage de la guerre froide. Doctrine élaborée à l'époque d'une part par l'Union soviétique et d'autre part par les Américains et ses alliés, l'utilisation à grande échelle de l'arme nucléaire par l'un des deux protagonistes provoquerait à coup sûr la destruction des deux camps. C'est une forme extrême de dissuasion où les bénéfices d'une attaque seraient invalidés par les pertes, puisqu'il y aurait destruction totale de chacun des camps. En d'autres termes, et pour résumer de manière extrêmement simplifiée, si guerre nucléaire il y a lieu, chacun des deux camps accepte d'être anéanti par l'autre et pour cela, ils vont délibérément faire la course aux armes les plus puissantes dans l'espoir de limiter les dégâts. Cette stratégie constitue une forme d'équilibre dans lequel chacune des parties ne peut rompre l'équilibre qu'en s'exposant à être détruit. Certains pourraient dire qu'il suffirait d'interdire purement et simplement ce type d'armes et ainsi il n'y aurait plus le risque de finir comme une merguez oubliée sur un barbecue. Hélas, ce n'est pas aussi simple. Le principe même d'un chef d'État est d'être de nature méfiante et jamais au grand jamais ils ne se feront confiance au point d'arrêter. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce qui nous dit en fin de compte qu'un nouvel Hitler ne va pas débarquer dans les années, voire les décennies à venir. Personne. Dans le doute, on garde précieusement ses moyens de défense à notre disposition et on en profite au passage pour toujours plus les moderniser. De nos jours, la guerre froide est terminée et la stratégie de l'équilibre de la terreur est peu ou plus respectée par les différents pays qui lui préfèrent une autre façon de faire, la riposte graduée. Apparue en 1962, elle définit en gros que l'arme nucléaire pourra être utilisée avec plus ou moins de puissance suivant le niveau de menace présent. On détruit tout, on tue des civils, mais ça va, on s'arrête au prochain carrefour. Bien plus crédible que la précédente, elle assure qu'un conflit ne déboucherait pas automatiquement sur un conflit nucléaire maximum, ce qui est partiellement rassurant. Enfin, tout dépend du côté où on se trouve. Bien évidemment, cela relance la course aux armements et, au lieu de simplement disposer d'une puissance de feu suffisante à la dissuasion, chaque pays se doit d'avoir des armes adaptées à n'importe quelle guerre et des moyens de les envoyer à bon port. Mais sur qui donc les pays pourraient balancer tout cet arsenal? En vérité, les ennemis ne manquent pas suivant le pays dans lequel on se trouve, et si l'horloge de l'apocalypse n'a jamais
jamais été aussi proche de l'heure fatidique, c'est parce que le monde dans lequel on vit est loin d'être un monde de bisounours peuplé de licornes qui font des crottes arc-en-ciel. Du côté des États-Unis, il y a la Russie, l'Iran ou encore la Chine, sans oublier bien sûr la Corée du Nord. Les Américains, c'est un peu comme le mec ou la fille qui se la pète un peu trop et que personne ne peut blairer en fait. Si vraiment une guerre nucléaire est déclenchée dans le monde, il y a de fortes chances que ça parte de l'un de ces pays et par le jeu des alliances, on sombrerait dans la pire des guerres que l'on pourrait imaginer. Car il est bien loin à présent le temps des bombes qui avaient été lâchées sur le Japon en 1945. De nos jours, en plus de compter sur un déploiement rapide et massif, il faut également compter sur une puissance et une technologie qui fait froid dans le dos. Du côté de la Russie, on perfectionne une arme capable de provoquer des tsunamis radioactifs. La réalité a dépassé la fiction. Le Poséidon, qui a l'apparence d'un petit sous-marin, peut naviguer sous l'eau à plus de 100 km/h. À la manière d'un drone autonome, il est capable d'atteindre sa cible sans aide ou guidage humain, a un rayon d'action de plus de 10 000 km et peut traverser des océans à plus de 1000 mètres de profondeur. Mais la puissance du bousin ne réside pas seulement ici. En effet, il embarque également une ogive capable d'engendrer une explosion allant de 30 à 100 mégatonnes. Une puissance comparable, voire même supérieure à celle de la Tsar Bomba, la bombe atomique la plus puissante jamais utilisée lors d'un essai russe en 1961. Pourtant, ce truc n'a pas été conçu pour ça. En cas de nécessité, le Poséidon serait activé sous l'eau à quelques kilomètres des côtes, ce qui engendrerait un gigantesque tsunami radioactif dévastant des pans entiers des littoraux d'un pays. Pire encore, l'ogive nucléaire embarquée à bord du Poséidon contiendrait du cobalt 60. Placé à l'intérieur d'une bombe nucléaire, cet isotope permet de maximiser les retombées radioactives. En plus des ravages causés par les vagues, les sols, les côtes et les villes au pays attaqué deviendraient inhabitables et inutilisables pendant plusieurs décennies. Le potentiel effet destructeur de la torpille est d'autant plus menaçant que 60% de la population mondiale vit près des côtes, là où elle est susceptible de causer les plus graves dégâts. Selon le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, une trentaine de ces engins seront construits par Moscou dans les prochaines années. Missiles destructeurs, bombardiers, drones ultra rapides ou furtifs, la seule limite finalement serait l'imagination des différents pays. En apparence, les stocks d'armes nucléaires dans le monde continuent à baisser, mais à y regarder de plus près, c'est seulement le cas en comptant les ogives en cours de démantèlement. En réalité, les pays dotés de l'arme nucléaire ont engagé un programme de modernisation de leur arsenal dans le but d'affirmer plus encore leur puissance dans un monde de défiance constante. Début 2021, les 9 nations dotées de la bombe, Russie, États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord, détenaient plus de 13 000 armes nucléaires. La menace est donc bel et bien présente et ce qui fait que tout ce fatras n'a pas encore été déployé, c'est qu'heureusement les chefs d'État ont un peu de jugeote et qu'ils savent pertinemment ce qu'une guerre nucléaire pourrait engendrer. Tout du moins, espérons-le. En France, une attaque pourrait venir principalement de la Russie ou de la Chine. Comme les autres puissances atomiques, elle a en permanence ses systèmes d'armes en état d'alerte avec des missiles prêts à être lancés dans les 20 minutes. Pour elle, le risque d'une guerre nucléaire est permanent. Sur ordre du président de la République, des sous-marins équipés de missiles nucléaires patrouillent dans les océans du monde entier sans que personne ne sache jamais où ils sont et ils peuvent frapper n'importe quelle cible. La France dispose aussi de missiles antimissiles qui peuvent détruire une arme nucléaire en vol et grâce aux satellites, elle pourrait détecter une attaque en amont. Mais combien de temps aurait-elle pour réagir avant l'impact? 5 minutes? 10? 15? Le temps de décision serait de toute façon beaucoup trop court si on considère le taux d'échec très important du dispositif américain antimissile Patriot, aujourd'hui le plus avancé. Concrètement, il est presque impossible de stopper une attaque et si nous étions bombardés, ce serait apocalyptique. Un pays qui voudrait frapper la France s'attaquerait en toute logique à Paris en premier et une seule bombe tuerait immédiatement des millions de personnes et en blesserait très grièvement des millions d'autres. La chaleur dégagée par l'explosion mettrait le feu à un grand nombre d'immeubles, il n'y aurait plus aucune infrastructure en état de marche, les communications seraient rompues et le réseau électrique serait entièrement détruit. Du côté des victimes, ce serait l'enfer, elles ne pourraient pas être secourues et seraient livrées à elles-mêmes. À Hiroshima, aucun médecin n'a pu intervenir avant plusieurs semaines à cause des radiations et c'est un délai qu'il faudrait énormément allonger de nos jours. Les survivants ne pourraient recevoir aucune aide avant plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec la puissance actuelle des bombes, bien supérieure à celles qui ont été lancées sur le Japon en 45, il suffirait de 50 armes nucléaires pour que la France soit entièrement dévastée. Outre la contamination radioactive liée aux explosions, il y aurait très rapidement un gros problème avec les centrales nucléaires. S'il y a une rupture de l'alimentation électrique au niveau national, cela mettrait en danger les centrales, même si elles sont situées à 100 km du point d'impact de la bombe. Si les réacteurs ne sont plus alimentés, ils ne peuvent plus refroidir la fusion du combustible nucléaire. Ils vont alors s'emballer et provoquer une surcatastrophe radioactive avec, à la clé, une contamination encore plus massive. Une attaque contre la France pourrait provoquer une troisième guerre mondiale, car ce serait en fait une guerre contre l'Europe, vu que tous les États seraient touchés. Au final, un conflit nucléaire, même localisé, ne pourrait qu'aboutir à une guerre mondiale, avec un retour à l'âge de pierre pour la majeure partie du monde industrialisé bombardé, des centaines de millions de morts sur le moment, bilan qui peut monter jusqu'à
jusqu'à 1 milliard de morts victimes des radiations, maladies et famines dans la période d'après-guerre. Différents rapports et simulations ont été faits pour calculer concrètement le bilan tragique que laisserait une guerre nucléaire. En 1962, une attaque totale des États-Unis contre l'Union soviétique et la Chine pourrait tuer 335 millions de personnes au cours des 72 premières heures. Selon un autre rapport de 1978, une attaque soviétique contre les États-Unis pourrait tuer cette fois entre 60 et 88 millions d'Américains, et même avec suffisamment d'avertissement, cela ne ferait que réduire le nombre de morts entre 47 et 51 millions. Mais aussi dévastatrices que soient ces projections, toutes ne sont pas nécessairement correctes, et il y a fort à parier qu'en cas d'attaque nucléaire, les problèmes à long terme pourraient tuer plus de personnes que l'attaque elle-même. La destruction des villes priverait des millions de blessés des soins de santé de base, ce qui resterait des gouvernements, et ce dans n'importe quel pays, aurait énormément de mal à maintenir l'ordre. Sur une période de 12 mois, selon la gravité de l'attaque, le nombre total de décès attribuables aux attaques pourrait doubler. Plus récemment, des chercheurs de l'université de Princeton ont diffusé une vidéo présentée comme une simulation d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Le scénario, qui aboutit à 90 millions de victimes et une Europe détruite, est heureusement improbable. Baptisé Plan A, il imagine comment se déroulerait un conflit nucléaire. Sur fond de musique inquiétante, la vidéo montre les différents types d'armes et la surenchère dans la destruction pour aboutir à des millions de morts en seulement quelques heures. Ça pète de partout, les États-Unis et la Russie s'en donnent à cœur joie, et au final, game over, fin de la partie, la planète est ravagée. Zone sécurisée, mission accomplie, formation du lézard. Au total, les chercheurs de Princeton ont estimé qu'il y aurait 34,1 millions de morts et 57,4 millions de blessés lors des attaques, sans compter les retombées nucléaires et leurs effets à long terme. Mais bien que plutôt récente, cette simulation est assez improbable, tout juste est-elle un fantasme à l'américaine, hérité des restes de la guerre froide. Selon les spécialistes, le plan A répondrait plus à un schéma que l'on pourrait voir au cinéma. Une opération militaire de ce genre ne serait menée que si derrière il y aurait un éventuel bénéfice, et ici, à part faire des victimes par paquet de millions, ça ne rimerait à rien. De plus, la simulation reste très américaine et les agresseurs sont évidemment des Russes, comme par hasard. Parce que comme par hasard, le pire dans tout ça, c'est que les mecs croient qu'il n'existe sur Terre que les Américains et les Russes. Et nous là-dedans, on fait de la figuration. Le scénario ne semble pas prendre en compte les systèmes de défense antimissile européens, ni les puissances nucléaires que sont la France et la Grande-Bretagne. En bref, c'est de la merde et ça sous-estime largement le nombre de victimes. Le seul avantage qu'on pourrait concéder à cette simulation, ce serait de montrer qu'il n'y a pas d'autre choix que la diplomatie. Les tensions actuelles dans le monde peuvent faire craindre une guerre nucléaire, et même si ces dernières sont localisées et n'utilisent qu'une infime partie des armes existantes, les conséquences seraient absolument désastreuses pour l'ensemble de la planète. Si le risque d'un conflit est bien présent, il faut savoir qu'un événement bien pire encore peut arriver. Une guerre nucléaire accidentelle. Avouez, ce serait ballot quand même. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Erreur de détection due à un éclair dans l'atmosphère, bug informatique ou de transmission d'ordre, attaque surprise d'un pays ayant développé l'arme nucléaire en secret ou d'un groupe terroriste ayant eu accès, sont autant de causes possibles d'un conflit nucléaire que la rigueur des procédures militaires, la diplomatie et le renseignement tentent de supprimer. Mais l'erreur est humaine et plus d'une fois, le monde a failli sombrer dans le chaos sans qu'un chef d'État ne décide d'une quelconque attaque. Rien ne saurait garantir la paix sinon l'humain lui-même, espérons pour nous qu'il reste attentif et qu'il ne sombre pas dans la folie la plus totale, ce qui à coup sûr signerait l'anéantissement d'une bonne partie, pour ne pas dire de la grande majorité d'entre nous. La stratégie de dissuasion nucléaire repose sur l'idée de la destruction mutuelle assurée. Si deux puissances nucléaires s'affrontent et utilisent leur arsenal, chacune est assurée d'être détruite. Aucune ne prendrait un tel risque, une guerre nucléaire est impossible ou en tout cas hautement improbable, car bien avant de faire le selfie du siècle devant un champignon atomique, oui parce que je suis désolé mais je suis persuadé que certains le feront, dites-vous qu'en arrière-plan, des gars vont se démener pendant des jours pour éviter d'en arriver là. Il n'y a pas d'autre issue que la diplomatie, et si on parle de nouvelles guerres froides et de nouvelles tensions, c'est justement pour éviter des guerres. Mais, et si vraiment ça pète, qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous avec nos 1000 abris anti-nucléaires pour 66 732 538 habitants? Eh bien, pas grand-chose en vérité. La bombe atomique, c'est l'arme la plus puissante jamais mise au point, capable de tuer des centaines de milliers de personnes en quelques minutes. Ceci dit, si vous êtes pris dans une explosion atomique, vous avez tout de même une petite chance de vous en sortir. Lorsqu'une bombe
bombe explose, une boule de feu d'une extrême chaleur apparaît et peut vous transformer en vapeur. Une vague de chaleur brûle tout sur son passage, y compris les humains. Le tout suivi par une onde de choc qui se déplace à une vitesse supersonique et qui détruit la quasi-totalité des bâtiments sur son passage. Si vous êtes dans un rayon de 500 mètres autour du lieu où a explosé une bombe comme celle d'Hiroshima, il est à peu près certain que vous y passerez. Mais si vous êtes un peu plus loin, vous avez des chances de vous en sortir, à condition bien sûr de vous secouer les puces. Si l'explosion elle-même ne vous tue pas, il y a une chance que ce soit les débris radioactifs. Ils retomberont sur le sol dans les heures qui suivront la détonation, et ces débris, ainsi que l'air ambiant, en pénétrant dans votre peau et vos poumons, seront susceptibles d'endommager vos organes, de détruire vos défenses immunitaires et de vous tuer en quelques jours. Vous devez donc vous protéger de ces retombées dans les 10-15 minutes qui suivront l'explosion en trouvant absolument un abri, idéalement le sous-sol d'un bâtiment en béton armé. Une fois à l'intérieur, il vous faudra enlever tous vos vêtements et les mettre dans un sac en plastique loin de vous. Il vous faudra vous laver soigneusement avec de l'eau et du savon, et d'ailleurs, évitez l'après-shampoing car il a tendance à fixer les particules radioactives sur les cheveux. Pour finir, il vous faudra faire preuve de patience et attendre. Il s'agira probablement du moment le plus dur. Vous pouvez manger de la nourriture en conserve ou même celle que vous pourrez trouver sur place, à condition qu'elle n'a pas été en contact avec l'extérieur. Pour l'eau, même combat, n'utilisez pas celle du robinet, buvez de l'eau en bouteille, voire celle qui se trouve dans le réservoir de vos toilettes. Rassurez-vous, elle est parfaitement potable, à condition que vous n'ayez pas tiré la chasse, ce qui la remplacerait par de l'eau potentiellement contaminée. Au bout de 72 heures, vous pourrez sortir et quitter la ville pour chercher du secours. Ce qui me défrise le plus dans tout ça finalement, c'est que des gens puissent penser à se laver les cheveux avec de l'après-shampoing dans ce genre de cas. Bref, cette vidéo se termine, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Pensez-vous qu'une guerre nucléaire pourrait arriver dans les décennies à venir et est-ce qu'on pourrait y survivre? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao.